Ok, c'est le retour. Donc on va pouvoir commencer le jeu Hollow Knight que j'attends depuis je ne sais pas combien de temps. Vraiment, genre c'est un jeu qui me tentait trop, ça fait trop longtemps. Je l'ai enfin acheté, j'ai enfin pouvoir vous le présenter. Et du coup, avec le jeu, j'ai eu une petite map. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait j'ai une map, une carte avec tous les mondes que je vais pouvoir voir, je pense. Et j'ai un petit livret avec les commandes. Et voilà, donc je vais pouvoir apprendre à jouer. Donc je vais lancer le jeu. Voilà, dans mon petit livret, j'ai comment jouer, cours de déplacement, amis, ennemis, boss. Alors, ce jeu sauvegarde les données de votre partie automatiquement. Ah, bien, ça c'est cool. Ça c'est super cool. Je sais pas si vous entendez le son du jeu. Il a l'air trop cool. Elle est apaisante la musique. Ok, est-ce que vous voulez que je vous dise peut-être l'introduction? Moi j'ai une intro sur mon petit carnet. Je regarde un petit peu. Parce que je vous avoue, j'ai pas regardé avant. Alors, intro. Sous la ville fantôme de. Ouh là là. Tirthmouth. Oh là là. Sommeil à l'ouest. Nest, un ancien royaume d'insectes. Oh là là. Un peu trop fort le son du jeu. Ok. Alors. Je baisse un peu. Dites-moi si c'est bon comme ça. Nombreux sont ceux qui s'aventurent sous terre en quête richesse, de gloire ou pour élucider des mystères de cet endroit. Mais quelque chose se révèle dans les ruines, une force si puissante qu'elle rend insectes et voyageurs fous. Quelle est la source de ce nouveau fléau? Quelle tragédie a frappé le royaume autrefois qui prospère? Pour résoudre ce mystère, il faudra s'aventurer au plus profond du royaume, mais certains secrets, pardon, feraient mieux de rester enfouis. Ok, donc ça c'est l'introduction. Et après. J'ai des trucs. En fait, je peux pas vous montrer là parce que j'ai pas de caméra déjà de base. Mais en gros, j'ai une petite carte qui explique qu'est-ce que c'est. Mais alors attendez, on va peut-être lancer le jeu. Ah oui, après j'ai les commandes, comment se déplacer. Bon, on va lancer le jeu, on va voir. Je vous expliquerai en même temps. On va tout voir en même temps. C'est vrai que j'aurais dû peut-être le regarder avant. Encore un peu. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires, nous avons su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont vous pourrions seulement rêver. Waouh. Un peu trop fond. Un peu trop fort. Et ça a l'air trop cool. Ok, super. Je baisse encore un peu alors. Le but, c'est que ça vous mette d'ambiance aussi, hein.
Ok. Waouh, l'intro a l'air ouf. Alors, que je puisse comprendre un petit peu. Donc, en haut à gauche, ça, c'est ce qu'on appelle des éclats de masque. Ils représentent la résistance de votre carapace. Chaque masque peut encaisser un coup. Si tous les masques sont détruits, le chevalier meurt. Ok, donc je suis un chevalier. Ok, deux. 2-2-2. Alors là, je ne l'ai pas encore, mais y avoir, après les petits masques, vous avez un gros masque. Et ça, c'est une âme. Cette âme, c'est quoi? C'est mon niveau actuel d'âme. Vous pouvez l'utiliser pour régénérer votre carapace et lancer des sorts. Récupérez-en en frappant des ennemis. Ok. C'est de toute beauté. T'as vu le jeu? Il a l'air incroyable. 3. Alors 3, moi j'ai quoi? Vous l'avez pas encore. Mais en gros, en dessous des petits masques que vous voyez en haut à gauche, il va y avoir quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle la Géo. La monnaie de Hollownest. Elle est dure à prononcer celui-là. Hein. Des insectes fossilisés pouvant être échangés contre des biens ou des services. Vous me dites si je parle un peu trop fort. 4. Hein. 4, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez pas encore à l'écran. Tout ça, vous allez voir. Je vais avoir des réceptacles d'âmes qui sont des sphères permettant de transporter des âmes. Vous pouvez en obtenir en progressant dans le jeu. Donc moi, mon petit personnage que vous voyez là, c'est un petit chevalier. Donc je contrôle un étrange vagabond qui descend dans Hollownest, armé de son seul aiguillon brisé pour repousser ses adversaires, et je vais avoir des ennemis aussi que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure du jeu. Alors, cours de déplacement, on va apprendre à se déplacer ensemble. Donc, maintenant, foncez. Ok, soit ça, soit comme ça. Donc, soit j'utilise le joystick, soit les petits boutons pour courir, charger au combat et fuir dangereux adversaires. B pour sauter. Ok, après Y. Pour taillader avec votre aiguillon et infliger des dégâts aux ennemis et briser des objets au passage. Donc Y. Ok, ça fonctionne. Coup vers le bas. Maintenant enfoncer la flèche vers le bas. Donc ça me permet. Regardez, regardant vers le bas mon perso. Et puis après j'appuie sur Y pour attaquer vers le bas. En sautant. Oulala. Ah oui, comme ça. Ok. Donc j'appuie flèche vers le bas, je saute avec B et plus Y. Ok, c'est bien compliqué. Pour donner et rebondir sur la tête des ennemis, ok. Donc ça c'est pour regarder vers le bas et vers le haut. Il est trop mime ce personnage, je vais canner. Canaliser, maintenez A enfoncé pour consommer de l'âme et régénérer votre carabasse. Gagner de l'âme en attaquant les ennemis. Ok, donc ça c'est en appuyant sur A. Et cours avancé. Un cadeau reçu après des aides, auprès des alliés dans les routes oubliées. Une fois obtenu, appuyez rapidement sur A pour lancer l'esprit. Cette attaque est puissante mais consomme de l'âme. Ok. Après, j'ai quoi? Ruée. Après avoir mis la cape d'aigle, c'est ce que j'ai sur moi. Pardon, la cape d'aile de papillon, vous obtiendrez la capacité ruée. Appuyez sur ZR pour charger vers l'avant et à grande vitesse. ZR qui est là. Donc là, je peux pas le faire parce que j'ai pas encore les capacités. Après, saut sur les murs, trouvez une pince de menthe religieuse pour sauter de mur en mur et atteindre de nouvelles hauteurs. Maintenez en direction une direction pour tenir un mur et appuyez sur B pour sauter. Ok. Ok, donc là après ça m'explique le menu, donc je pense qu'on fera, là je vais devoir un peu avancer, on fera au fur et à mesure. Après j'ai l'explication des objets, de l'ombre, j'ai les services, les amis, ok je vais avoir des amis dans mon jeu. Super, j'ai les ennemis aussi, des explications sur les ennemis, sur les boss. Ça me spoil un peu mais bon, on fera au fur et à mesure. Et après j'ai des zones, donc, je pense que ça c'est des zones, ça doit être sur la... Des cartes, dit comme ça. Des rumeurs, j'ai des explications sur les packs de contenu. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai pris le jeu, mais il y a 4 packs dedans. Ok. Donc on va avancer tranquillement. Est-ce que je peux.
Ça, c'est un ennemi, il faut que je le tue. Ah, vous avez vu en haut, il y a un numéro qui affiche. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle les géos. C'est de la monnaie. Ok. Je fais quoi là? Je saute ou on va sauter? Non, je peux pas sauter. Mince. Ah zut. Ok. J'aurais pu monter, mais ça fait quoi? Ça fait rien si je monte. Ok, là je récupère de la monnaie, let's go. Ok, je peux pas aller plus loin. On va re... Je peux pas retourner en arrière là. À part si je saute là. Je peux pas. Je fais comment là? Ne me dites pas que je suis déjà coincée alors que je viens de commencer le jeu. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Y a un truc qui... Non, mais arrêtez, je suis déjà coincée, les gars. Je vais canner. Les gars, je viens de d'être coincée. D'être coincée, genre. Ok. Ah, donc il faut que je tienne B enfoncé pour sauter plus haut. Ok. Examinez. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Votre grande force, votre marque, vous marque pardon, parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres peuvent ne peuvent que rêver. Alors, régénérez votre âme en frappant des ennemis. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenir A. Donc c'est ce qui m'est expliqué dans le truc. Puis canalisez l'âme et se soigner. Ok. Ça marche. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Est-ce que j'ai bien changé au moins? Canaliser. Ah, mais attendez, je suis en train de mourir là. On dit canaliser, mais frérot. Ok. Ok. Non. Putain. Ok. Il faut que je règle dans mes paramètres parce qu'en fait, vous entendez le son du jeu. Moi, je l'entends. Genre, je suis morte là. Genre, là, je suis morte. Mais du coup, je perds tout. Mais j'ai trop le seum. Ah, faut que je recommence en plus. Oh, mais l'angoisse. Reviens. Oula. Ça, on l'a déjà fait.
Ouais, donc du coup je disais, vous, vous avez le son du jeu et moi j'ai le son du jeu qui sort. Oh, ça m'a fait peur. Il m'a fait peur, mon perso. Ça doit être ma sauvegarde. Et du coup, moi je l'entends, le son du jeu, dans... Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ma sauvegarde, mais du coup, faut que je le frappe, faut que je le me batte contre lui pour pouvoir la récupérer. Reviens, reviens, cette bête. Reviens, reviens. Je vais t'emboucaner. Grosse folle. Donc, vous, vous l'entendez bien dans le jeu. Je vais y arriver à terminer ma phrase. Et moi, je l'entends dans mon écran. Je l'entends pas dans mon casque. Donc ça, il faut que je le modifie. Parce que du coup, ça fait que vous êtes dans le jeu et pas moi. Ah, ça veut m'assassiner par ici, là. Oula. On va peut-être descendre d'abord, voir ce qu'il y a en bas. Parce qu'on a tout fait sauf ça. Wow! Non. Ah, ça va. Si je redémarque là. Oh, comment ça me stresse? Ok. Il y a quoi en haut? Non! Mais... J'ai trop le seum! J'ai trop le seum. Elle vient de battre. Mais non, mais putain. Non, mais c'est affreux, hein. C'est affreux. Wow. Mais vrai, ça y est. Viens, viens de battre, viens de battre. Il est fou, il est fou. Ok, donc normalement je l'ai tué. Donc là, je peux monter tranquillement sans me faire trucider la gueule. Mes frères, c'est bon. Oh, vous avez vu la dinguerie qui vient de se passer là? Hello, Kenji-san. Je pense que ça se prononce comme ça. Je pense. Comment vas-tu? Bienvenue sur mon stream. Ouais. C'est quoi tout ça? Ça va et toi? Bah je vais bien, merci beaucoup. Écoute, on a démarré un nouveau jeu. Je suis en train d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Et là, j'ai débloqué des vies, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est ma sauvegarde. Et toi, comment tu vas?
crois que je t'ai posé la question. Ok, bah j'imagine que je dois continuer par là. Mais non, j'ai mouru. Oh punaise, il me reste qu'une seule vie. En plus, j'aime pas ça. Parce que, voilà, vous comprenez pourquoi j'aime pas? Je ne sais pas, quand il y a des petites plateformes, je n'arrive pas à jouer. C'est infernal. Putain, non, faut que je recommence à zéro. Oh là là, ça me saoule. Et ça fait genre 5 fois que je recommence à zéro, dites-vous. Tu joues à quoi? Je joue à Hollow Knight. Un jeu sur Switch. On va direct aller en haut. J'aime pas aller sur des petites plateformes comme ça, parce que j'arrive jamais à jouer. Tac, tac, tac. Ça, on l'avait vu. Tout ça, on avait vu. Là, je vais devoir me battre. Tiens. Et du coup, de l'autre côté, on avait déjà ramassé. Donc, ça sert à rien qu'on y aille. On va faire du tout droit. Hop. Hop. Et là, on avait récupéré. Donc, ça, c'était bon. Tu peux maintenir A pour te soigner. Ah! Ah, donc c'est ça! La régénérescence là où je sais pas comment ils appellent ça. Pour me soigner. Donc en fait, c'est en utilisant l'âme. Ok, je commence à comprendre, merci. Je peux pas monter. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir ce carnage? Oh, j'y suis arrivée. Alléluia. Et là, est-ce que je pouvais passer? Pas du tout. Donc tout ça pour ça. Ok, c'est génial. Allez, examinez. Comment je fais pour examiner? Ah. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Hallow Nest. Ok. Faut que je fasse quoi là? J'imagine descendre. Il est quand même beau le gameplay, hein. J'avance tranquillement, je suis pas sereine. Je me dis genre c'est trop calme. Mouse, la ville fantôme. Alors, si je prends ma map, que vous ne voyez pas, bien évidemment, où se situe cette ville? Tac, tac, tac. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai une map qui m'a été donnée avec le jeu. Ok. Donc en fait, je suis tout en haut de cette map. J'ai une grande map, enfin une grande petite map, qui me permet de me situer dans le jeu. Bien bonjour voyageur, j'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps, mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs.
Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain, les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas si bonnes choses après tout. Alors, pour répondre à ta question, Kedjessan, c'est pas du spoil de regarder la map. En fait, dans la map, j'ai juste... en fait, il n'y a rien de qui paraît être un spoil pour moi. Parce que j'ai juste le nom des villes. En fait, c'est pas détaillé. C'est juste le nom des villes. Mais j'ai rien de plus. Ça me dit pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Il y a un jeu de couleurs. En fonction des villes, il y a des couleurs en particulier. Donc je pense que c'est le thème principal de chaque ville. S'il y a plus de forêts, plus de villes mortes, plus... Je te dis des bêtises, hein, ça se trouve, il y a dans des îles, dans des mondes, il va faire que pleuvoir. Donc, tu vois, c'est juste ça, mais ça me donne juste le nom des villes, ça me dit rien de plus par rapport à ça. Du coup, ben, pour moi, oh, c'est bien ça. Ça, c'est de sauvegarde, je pense. Ça m'a pas dit comment ça sauvegardait, par contre. Ça m'a pas dit dans mon petit livret comment ça sauvegardait automatiquement. Je pense que ça doit être ça. Allez, on avance. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Ok. La musique est douce. Oh. Bah, je suis tombée. Route oubliée. Ok. Je vais de quel côté là? Dans tous les cas, c'est pareil, vous me direz. On va aller là-bas. Il y a des grosses bêtes. Est-ce que de l'autre côté il y a quelque chose d'intéressant ou pas? Oula. Ok. Bah il y a deux. On va partir en bas. Ok, là ça me fait partir ailleurs. On va peut-être d'abord voir l'autre côté, faire tout ce qu'il y a de l'autre côté pour après revenir. Peut-être plus intéressant. Remarque, c'est la même chose en fait. Il y a des choses intéressantes partout dans le jeu. Est-ce que tu connais le jeu, Kelvin-san? Je vois que tu as l'air de savoir pas mal de trucs sur le jeu. Oui, ah, c'est pour ça. Bah écoute, on va partir par là. Et on fera l'autre côté plus tard. Mais t'inquiète, je spoil rien. Ok, ça marche. Tant mieux parce que les spoils sont interdits. en haut, en bas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits où je peux aller. On va partir en bas. Mais je sais pas où aller. Genre, il y a plein
de trucs. Plein de monde. Là, je suis en train de explorer. Je peux passer par là? Non. Là, y a rien. Les légères, ma mère, enterre les yeux bien fermés, mon père, enterre deux par deux mes sœurs, et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Tu la connais, celle-là, c'est l'une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose si tu veux. Commence à chanter, je chanterai avec toi. Je suis prête à parier que tu as une voix magnifique. Oula. Alors dis-moi, que fais-tu ici? Si tu es venu pour devenir riche, tu n'as qu'à regarder autour de toi, ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Ouais, le début, j'étais perdue aussi, t'inquiète. Mais après, je me dis, genre, tout ce que là j'explore, je me dis, c'est que ça a un sens et que je devrais peut-être y revenir. Bon. Oula. De revenir tout à l'heure. Ok. Donc ça, j'ai rechargé une âme. Ouais, je me dis tout a un sens et que peut-être qu'en y revenant, il y aura d'autres choses. Ok, donc là, il n'y a rien. Plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être perdu. C'est un truc de fou. Oula, oula, oula. Ok. J'imagine que je dois. Ouais, mais si tu. Regarde, tu vois, c'est trop bizarre genre qu'ils mettent ça et qu'il se passe rien. Donc je pense que c'est des endroits où je pourrais revenir plus tard et explorer. J'étais venue par là. Et explorer et qu'il y aura peut-être du sens ou juste c'est peut-être juste un endroit où il n'y a rien qui se passe en fait tout simplement. Là je crois qu'on avait vu, non? Ah non, on n'avait pas vu en bas. Ok, là il y a des monstres. Je pourrais plus remonter. Ah si, c'est bon. Ok. Bon, je peux pas y accéder pour l'instant, j'ai l'impression. Ok. Peut-être que j'y accéderai plus tard dans le jeu. Mes frères, ça y est. Comment ça, il me reste une vie? Voilà. Je commence à comprendre. Un monsieur. J'ai cru qu'il allait être gentil, mais pas du tout en fait. Je vais bien me faire foutre. Oula, mais il y a l'air d'avoir des gros méchants là.
Let's go. Un truc en haut. Il y a un truc en haut. Je suis trop à fond, désolé, je parle plus, mais je suis trop à fond là. J'essaie de comprendre. Ah, attendez. Il y a un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est, mais je pense. Putain, comment je passe? Déjà, on va partir là. Un maximum de moulaga. Pourquoi tu te soignes que un point de vie? Bah je peux me... Ah, je peux faire plusieurs points de vie. Ah, parce que je comprends pas encore. Vu que là j'ai commencé le jeu il y a 20 minutes, je comprends pas encore toutes les manips. Merci de me le dire. Je savais pas que je pouvais tout remettre en vie. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Je sais pas. Plus j'avance, plus il y a des bêtes. De glace. Ok. Je vois qu'elles s'en foutent complètement de ma gueule. Bah vas-y par là. Là, c'est de la découverte pure, hein. Y a absolument rien qui se passe. Ok. Là, je suis où? Je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis dans la map. Mince. On va passer par là. Je suis au début de la grotte. Ah, je suis qu'au début de la grotte. Super. Ouh là là. Je sais pas si c'est là que je devais aller. Le temple de l'œuf noir. J'ai l'impression d'avoir avancé, mais d'avoir oublié plein de choses. Ok, je vois où je suis. Sur la map. Je vois où je suis, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Kinrel. Quinrel. Kinrel. Kirel. Bref, j'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud?
Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on lui ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelle autre aventure se trouve plus profondément en dessous de nous? Mais non, mais cet endroit où t'as sauté dans le puits. C'est l'endroit où j'ai sauté dans le puits de la vie. Oui, bah je, oui, je me doute bien, mais du coup j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bah c'est pas grave. On va continuer dans le jeu et puis on verra. Ok, donc on a découvert cet endroit. Peut-être que cet œuf nous servira. Peut-être pas. Là je continue, je sais pas où je vais, mais je continue. Hop. Tous veulent ma mort là. Pourquoi vous lancez des piques? Mais je suis pas déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. Mais oui, je suis déjà passée par là. Oh là là. Oh, le sens de l'orientation et moi. Mais là, du coup, si, je suis déjà passée. Merde. Je suis déjà passée par là, mais il me semble que j'avais pas visité certaines choses. Il veut me buter, là. Mais un ouf! T'attaquer à qui, cousin? Regarde-moi bien, cousin, je vais pas te regarder. Ah, il me semble que j'étais pas descendue. Putain, si, je suis descendue. Putain. Oh, mais l'angoisse. Ok, donc là, je suis déjà passée. Alors, je suis pas passée. Ouf. Mince. Vous me dites si je vais trop vite? Parce qu'il y a de fortes chances que. Je suis arrivée d'où là? Là, je suis pas allée là. Non, je connais pas. Oula! Oula! Oula, mais c'est un boss! Mais frérot, je suis pas prêt! Oh putain! Ok! Oh non, je suis au tout début! Oh putain! Ok! J'ai le seum. Oh, je suis au tout début, je suis au bout de ma vie. Ok, donc là je suis tombée dans le puits, j'arrive. J'arrive là. Moi je suis partie à droite. Est-ce que j'ai tout exploré? Bonne question. Ok, j'ai vu le temple. Mais en fait, tu me faisais la question si c'était pas du spoil, mais en fait, non, je pense que c'est pas du spoil. Ça me permet de m'orienter dans le jeu. Parce que je t'avoue que si j'ai pas la carte, je ferai des allers-retours sans cesse au même endroit. Donc j'ai vu le temple de l'œuf noir, donc je l'étais passé à droite. Ok, je suis passé tout là. C'est dommage que vous puissiez pas voir la map. Ça aurait été. Je sais pas si on peut. S'il y a un truc qui me permettrait de. Oh! Ok. Ok. Bon. Donc je suis pas passée. Si j'étais passée, je crois, à droite. C'est à gauche que je suis pas passée. Je connais la map. Ouais, mais toi, tu connais la map parce que tu connais le jeu. Mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est juste pour ça. Je crois que je suis pas passée par là. Ouais, non, j'étais pas passée parce que ça me dit rien. On va descendre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en bas? Dites-vous que là je descends, mais il faudrait que je remonte après. C'est ça qui est chiant.
Ils s'en foutent, ces bestioles. Ok. Là, j'imagine que si je descends, je vais être dans un autre monde. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. J'avais oublié mon âme et du coup mes vies. Oh non, mais ça veut dire qu'il faut que je retourne à l'autre bout de la map là, les gars. Oh, j'ai trop seum. Ok. Bah, ma foi, on va faire ça. Hein. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas trop. Hein. Et si j'étais passé par là? Je viens de reconnaître. Attends, non. Oh là là! Et vous savez, j'ai un sens d'orientation, c'est. C'est de pire en pire. Il faut que je monte en haut. Non. Mais frère, je suis nulle en combat, qu'est-ce qu'il y a? Regardez le pire gameplay de France, hein, vraiment. Je sais pas où il faut que j'aille. Je vais aller par là-bas. Tant pis. Bonjour déjà. Je crois qu'il faut que j'aille là. Non. Là j'étais allée. Il faut que je monte. Voilà, ça y est, je commence à retrouver mon chemin. Et là, faut que je monte. En vrai, mon âme, je vous avoue, elle me fait un peu peur. Hein. Ok. Faut que je me batte contre ça, là. Ah ouais, ok, je vois. Ça fait trop les méchants, là. Mes frères! Ok. Il faut que j'apprenne à régénérer mon âme, parce que c'est pas possible sinon. Dites-vous, c'est le premier boss, hein. Y en a d'autres. C'était par où? Je me rappelle plus, je crois que c'était par là. C'est même pas un boss. Jure la vie. C'est pas un boss ça. Et là je me bats contre un truc qui essaie de me tuer. Non, tout à droite. Ok, je vais tout à droite. Ok, ça on l'a vu. Ciao, bye bye. Vous avez même pas le temps de respirer.
Donc ça, tu vas me dire que c'est pas un boss. C'est quoi ce truc? Attends, j'ai un carnet des boss. Ah, j'ai des explications sur mon ombre. En mourant, vous laissez derrière vous une ombre de votre vie passée. Cette ombre possède un peu de la puissance du chevalier et vous devrez la récupérer pour ne pas être considérablement affaibli, pardon. Pour regagner votre puissance perdue et retourner au lieu de votre mort et vaincre l'ombre qui s'y trouve. Soyez prudent, elle ne vous attendra pas les bras croisés et vous attaquera à la première occasion. Comme c'est un reflet du chevalier, l'ombre gagne de la force, de la puissance en même temps que lui. Cet ennemi, au départ surmontable, pourrait s'avérer être votre adversaire le plus redoutable. Super. Donc plus je gagne de la puissance, plus lui gagne de la puissance, plus le jour où je combat, je... Ah ça c'est bien que je puisse faire des pauses dans mon combat parce que sinon... Oh là là! Allez, let's go! Et imaginez si mon cheval... Oh non! J'aurais grave kiffé pouvoir monter dessus et gambader. Donc là j'ai fait tout ça pour sauver je ne sais pas quoi. Une sorte de verre. Très bien. Bah j'imagine que j'ai exploré tout le monde. Là, j'ai l'impression d'avoir tout exploré. C'est un mob force et tout, ouais. Mais là, j'y suis déjà allée. Bon. J'ai l'impression de faire des allers-retours. Non, vraiment pas. Ok. T'as pas du tout tout exploré. J'ai l'impression de faire des allers-retours de ouf. Ça, c'est le puits. Une porte en pierre avec une serrure simple. Donc s'il y a une serrure, ça veut dire qu'il y aura une clé qui me permettra de passer dans un autre monde. Donc j'imagine que si je vais en bas, à un moment donné, je vais trouver une clé. Donc il faut que je trouve une clé. Là, je suis pas passée. Bien joué. Ça, je suis pas passée. Bah merci. Ah, je pouvais pas passer, je pensais j'allais pouvoir passer à... Ok. Ça c'est quoi ce monde? Le Grumbroom. Ok.
Hop. Pas du tout ce que je voulais faire. Alors, ça, c'est quoi? La voie du pèlerin. Les voyageurs d'à l'ouest traversent des terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Là, mince, je voulais pas faire ça. Là, j'ai découvert un nouveau monde. Oh, mais y a encore un gros méchant, c'est une blague. Frérot. Je m'épuise pour rien, ça sert à rien. Peut-être qu'il faut que je lance quelque chose. Merde. Bon, ça sert à rien. Hop, ciao, bye bye. Bon, allez, on va retourner tout en bas. Ok, ça je connaissais pas. Bah, y'a rien. Ah. Ah, bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme un autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession et en ce moment, je cartographie cette région. Oh, je vais avoir une carte. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Voulez-vous acheter une carte de la région? Oui, je veux une carte. Let's go! Maintenir L pour afficher une carte de la zone actuelle. Afficher une carte détaillée d'à l'ouest dans l'écran carte de l'inventaire. L. Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, bien ouais-je, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme Iselda. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie Dirtmouth. Avec toutes sortes de choses utiles, mais des explorateurs comme vous, pardon, elles vont même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini à cartographier une région. Elle a toujours si existé, elle est toujours si excitée de me voir. Ok, donc il faut que je remonte pour pouvoir aller à Dirtmouth. Et si tu tapes ces projectiles, tu peux pas les renvoyer? Non. Ça fait partie du décor. Est-ce que je regarde d'abord ce qu'il y a en bas? Je vais d'abord remonter, on reviendra après. Je vais aller acheter une carte. Oh, faut tout que je remonte. Super chiant le bail. Aïe. Sans se faire buter la gueule, ça serait pas mal. Si on passe par là, ça passe ou pas? Pas sûr. On va tuer des monstres parce que là j'ai pas beaucoup de vie. On va remonter, je crois que c'est là-haut. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout là-haut qu'il fallait que j'aille.
Et ça, j'aimerais bien savoir comment est-ce que je peux réussir à débloquer. Et mince. Pas du tout ce que je voulais faire. Tue des monstres pour avoir au moins 340 pièces. Et ça me permettra d'avoir toute ma vie du coup. Pas du tout ce que je voulais faire. Non, pour acheter des trucs intéressants dans la boutique de la ville, notamment la boussole. Ah, parce qu'elle coûte aussi cher. Mince. Par là, peut-être qu'il y a des monstres. Le peuple réclame des monstres. Alors là, j'ai mon collègue qui est en train de miner. Il doit y avoir des monstres en haut là. Ouais, y a vachement des monstres. Ah, depuis tout à l'heure, je me tape des monstres et là, bizarrement, quand j'en demande, il n'y en a pas. On va aller là-bas. Là, il y en a. Pour reset tous les monstres, tu peux t'asseoir sur un banc. Ah, oui. Oui, j'ai cette possibilité-là. Là, il y en a plein en fait. C'est là où je suis allée. Pas du tout ce que je voulais faire.
frère, ça y est. Alors ça dégage. Je vais péter mon crâne. Ah, je suis pas passée par là. Ah bah oui. Mais non, mais... Non. Ça y est. Là, je peux pas passer parce qu'il me faut le pouvoir pour monter sur les murs. Ça, je le sais. Mais non, mais stop. Oui, ouais, je le sais. J'ai pas ce pouvoir-là. Donc tant pis. Mais je sais qu'il y a cette partie-là que je n'ai pas explorée. Ok. Donc il faut que j'aille tout en bas. Ça y est, j'ai 140. Après, tu peux... faire ainsi, mais faut avoir du skill. Ouais. Mais non. On va attendre sagement. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait une bébête là. Il me semble que c'est par là, hein. Non, c'est pas par là. Tant pis. Faire demi-tour. Par là, peut-être. En haut, non? Y a pas un truc en haut? Non. Pas là. Ok, journée. Non, c'était pas là. Moi, il faut que j'aille plus haut encore. En haut du puits. Voilà, on va attendre 2 minutes, les petits potes, parce que moi, mon casque n'a plus de batterie.
Et donc ça va être compliqué de vous parler si mon casque n'a plus de batterie. Puis je pense que d'ici 18h, j'arrêterai le stream. Parce que je stream depuis 14h et que je suis bien crevée. Hop. Voilà. Allez, continuons. Ok, c'était là qu'il fallait que j'aille. Ah, pas pour nada. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est avec mon mari que vous deviez traiter, mais quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner une nouvelle carte à vendre. Ça, c'est une information précieuse, parce qu'il faudrait que je revienne pour voir les cartes de d'autres mondes, j'imagine. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Vous devriez parfois revenir me voir, ce que je disais. Avec mon mari, qui est toujours en train de travailler, nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Maintenant, voyons ce qu'il en reste, ce qui reste à vendre. Ok. Moi, il me fallait une boussole. Vivement recoté, j'ai ce charme. Si tu rencontres des difficultés à trouver ton chemin dans le labyrinthe des ruines juste en dessous de nous, il indiquera ta position sur la carte. Extrêmement utile pour pouvoir se repérer dans les lieux inconnus. Donc ça, on achète. Équiper un chien pour activer cette puissant attribut. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous reposez sur un banc. Ok. Et quoi d'autre en Pas stock? nada. Donc ça, c'est pourquoi. Tu n'auras besoin si tu veux pouvoir ajouter de nouvelles régions pour explorer la carte. Indiquons l'emplacement sur votre carte des bancs. Ah, c'est pas mal ça. Achète la plume prioritairement. Ok. Juste voir ce qu'il y a d'autre. Ok. On va acheter la plume. Je suis tes indications, hein. Et puis vu que j'ai plus de thunes, on se casse. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous reposez sur le banc. Oh, pas mal. Ah, ça me dit les mondes. Waouh. Ok. Ok. Et tout ce qui est en foncé, enfin colorié à l'intérieur, c'est tout ce que j'ai exploré. Et tout ce qui est en pointillé, c'est ce que je n'ai pas exploré de ce monde. J'imagine. Ouais, c'est ça. Bon. Bah, les petits potes, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je commence à fatiguer vraiment, vraiment. Donc, on continuera la suite dans un prochain live. Je sais pas encore quand est-ce que je vais stream. On est mardi. Ouais, on est mardi. Je verrai. Mais je pense que le prochain live sera du Hollow Knight. Parce qu'on avancera dans l'aventure. Et puis voilà. Pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe le jeu. Les musiques sont belles. Je trouve ça cool. Donc voilà. En tout cas, j'espère que le live vous a plu. J'espère que vous avez autant kiffé que moi, que ce soit Fall Guys ou Hollow Knight, le début de Hollow Knight. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!